cette partie de pêche, je vais utiliser deux types de cannes. Une canne à tambour fixe, ce qu'on appelle une canne spinning, et deux cannes de deux puissances différentes de bait casting, c'est-à-dire un tambour tournant. La différence fondamentale entre ces deux cannes se situe au niveau du lancer. Sur une canne à tambour fixe, c'est le leurre qui tire la ligne, et sur une canne à tambour tournant, c'est le moulinet qui pousse le fil. En fait, la grande différence, elle se situe quand le leurre touche l'eau. C'est-à-dire que sur une canne à tambour fixe, une fois que le leurre a touché l'eau, le fil arrête de se dérouler. Sur une canne à tambour tournant, une fois que le leurre touche l'eau, lui continue encore à pousser le fil. D'où l'importance de l'arrêter avant qu'il touche l'eau. Donc déjà, la première chose, c'est de tenir correctement sa canne. Avec un moulinet comme ça, ici, il y a une gâchette qui permet d'avoir la canne correctement en main. Quand on a des mains comme les miennes qui ne sont pas particulièrement grosses, on peut la tenir à ce niveau-là, ce qui permet d'avoir le moulinet parfaitement dans la main. Quand on a des mains de grande taille, on peut le tenir ici. Voilà, donc moi en ce qui me concerne, je le tiens comme ça. Donc là j'ai la canne parfaitement en main et elle est solidaire de mon poignet. Avant le premier lancer, il faut tout d'abord régler le moulinet. Le réglage dépend du poids du leurre. Sur un moulinet comme celui-là, le moulinet à tambour tournant comporte trois types de freins. Ici vous avez une molette qui correspond au frein de combat, la même chose que la molette que vous avez en haut d'une bobine de moulinet classique. Ici, ça c'est un frein centrifuge qui va empêcher la bobine pendant le lancer de prendre des tours trop rapidement. Et ici, c'est un frein mécanique qui agit sur l'axe de la bobine qui va éviter au départ de faire une perruque. Donc on règle ça suivant le poids de son leurre. Pour lancer avec ce type de moulinet, il y a une gâchette ici, toc, je l'arrête avec le pouce. Là, la bobine est libre. La gâchette est soit sur le côté, soit derrière. Avant de lancer, là, je débraye, donc ma bobine est libre. Je resserre le frein mécanique. Si on regarde le leurre, là je lâche tout alors que c'est ouvert, le leurre ne bouge pas. Je vais desserrer tout doucement jusqu'à temps que mon leurre descende de façon très lente. Vous voyez là, je relâche et il descend très lentement. Ça c'est le premier réglage. Ensuite, sur le frein magnétique, a priori quand on commence, notamment pour un débutant, on va le régler aux deux tiers, c'est-à-dire c'est gradué de 1 à 10, là je vais le régler à 7. Avec ce type de réglage, ça évite de faire des perruques. Par contre, on va lancer un petit peu moins loin. Plus le pêcheur est aguerri, plus il va dévisser son frein mécanique et plus ça va lui permettre de lancer loin. Avec un moulinet casting, étant donné que c'est le leurre qui donne de la vitesse à la bobine et la bobine qui va pousser le fil, il faut qu'elle commence à rentrer en rotation à partir de ce niveau-là. Donc le geste doit être ample, sans à-coups. À partir de là, je commence à lâcher mon pouce, la bobine tourne sous mon doigt. Et là, je la lâche complètement dans la direction dans laquelle je veux lancer mon leurre. Il y a une chose qu'il faut toujours éviter, c'est qu'avec un moulinet normal, c'est-à-dire un moulinet de tambour fixe, quand on donne un petit coup de poignet, ça donne une accélération, on lance plus loin. Avec ce type de lancer, si je donne un coup de poignet, le leurre va partir d'une certaine vitesse, et le moulinet, lui, étant donné qu'il va avoir un à-coup, va tourner plus vite que ne part le leurre. Obligatoirement, ça va boucher quelque part, et ici, ça va faire une perruque. Donc le geste, là, je débraye. Le geste part de derrière, je vais commencer à lâcher, je vais lancer. On garde à peu près une trentaine de centimètres entre le leurre et le sion. Le moulinet est débrayé, et le mouvement est ample, sans à-coup, et on lance. Avec ce type de réglage, c'est-à-dire le frein mécanique relativement serré, le leurre qui descend tout doucement, on ne lance pas très loin, le leurre est bridé, par contre on ne risque pas de faire de perruque. Donc en ce qui me concerne, quand je pêche, je dévisse au maximum le frein mécanique et je joue simplement sur la vitesse de rotation de ma bobine en contraignant plus ou moins le frein magnétique suivant le poids de mon leurre. Plus le leurre est lourd, plus le frein magnétique est serré, plus le leurre est léger, plus le frein magnétique est desserré. Et ça, on s'en aperçoit quand on lance. Pendant la phase de lancer, en regardant sa bobine, si le frein magnétique est trop desserré, la bobine commence à foisonner pendant le lancer. S'il est correctement serré, ça part très très bien. L'intérêt de ce type de canne, qui est conçu à l'origine par les Américains, puisqu'eux pêchent beaucoup en bateau, est d'avoir un matériel extrêmement léger. Vous voyez là, la canne est courte, on l'a parfaitement en main, on peut la tenir et pêcher avec toute la journée. Ce sont des cannes monobrins, c'est-à-dire que ce sont des cannes petites, très puissantes. Avec ce type de canne, on peut sortir sans problème un brochet de 10 kg. Et par contre, ce sont des cannes qui sont conçues essentiellement pour pêcher soit en bateau, soit en flotte tube. Vous voyez, pour la phase de lancer, il faut avoir suffisamment de place pour que le geste soit grand. Et c'est pas fait pour lancer loin, c'est fait pour lancer précisément. Donc tout à fait adapté dans ce genre de situation. Du bord, par exemple, sous les arbres, le casting n'est pas très intéressant. L'autre avantage avec ce type de canne, c'est que je n'ai pas de pick-up à ouvrir. Avec mon pouce, je débraye ma bobine, je rembraye simplement en moulinant.
voyez, débrayer, rembrayer. Ce qui fait qu'au niveau de la rapidité de pêche, ça permet de lancer, ramener, toujours avec la même main, sans utiliser la main gauche. Le lancer le plus classique, c'est celui qu'on a vu, donc le coup droit. Et par contre, on peut lancer de différentes manières. Le coup droit est le plus employé. Si on cherche à lancer très loin, c'est-à-dire à comprimer énormément la canne, on peut lancer par-dessus l'épaule. C'est le lancer qui permet d'atteindre les plus grandes distances parce que c'est le plus puissant. Et si on a par exemple derrière soi, si on est sur un bateau, si on est un pêcheur par exemple, donc si on est deux à pêcher dos à dos, si on est derrière un arbre, on peut utiliser, au lieu de partir de très loin pour rentrer, pour que la bobine rentre en rotation, on peut utiliser la force du leurre en faisant un looping avec le leurre, donc comme ça. Là, c'est mon moulinet, j'ai commencé à lâcher pendant que le leurre tournait, donc c'est cette rotation qui a mis ma bobine, qui a donné de la vitesse à ma bobine. Donc ce qui fait que si j'ai quelqu'un derrière moi, et que je veux lancer par exemple là-bas, au lieu de faire ça et de lancer dans cette direction, je vais simplement faire ça et lancer. Vous voyez le principe, c'est le leurre tourne, donne de la vitesse à la bobine et il part. Ensuite, il y a une dernière technique. Bien sûr, je l'aborde assez brièvement. Il y a une dernière technique qui s'appelle le pitching. Donc, c'est-à-dire que quand on veut pêcher, par exemple, des frondaisons juste devant soi, à une quinzaine de mètres, qu'on a besoin de pêcher très précis et de déposer le leurre précisément, juste dans un petit trou, par exemple, quand on pêche quasiment à vue, à une dizaine de mètres de soi, on garde le leurre dans sa main. Là, à peu près, il y a 2 mètres entre le leurre et la pointe de mention. Là, je suis débrayé, c'est-à-dire que j'ai le pouce sur ma bobine. Canne haute. Ensuite, je vais lâcher mon leurre et l'amener dans la direction dans laquelle je veux lancer. Par exemple, sur ce piquet rouge. C'est ce qu'on appelle le pitching. Je lance, tac. Tac, j'amène mon leurre. Donc, c'est un lancer où on lance peu loin. Par contre, on peut lancer très précisément. Donc, je reprends. Le refaire. L'autre avantage de ce type de moulinet est de pouvoir lancer avec une grande précision. Une fois qu'on est acquis le geste, ce qui vient relativement rapidement, on dose la distance avec le pouce. Donc quand on veut lancer par exemple le long d'un mur ou d'herbier, on lance trop fort et pendant la phase de lancer, on ralentit avec le pouce jusqu'à ce qu'on amène le leurre à la distance idéale. Et ça, c'est vraiment pratique, ce qu'on ne peut pas faire avec un moulinet à tambour fixe. On est obligé de refermer le pick-up ou d'arrêter le fil à la main. Là, on peut doser tout doucement pendant la phase de vol. Et ça, c'est vraiment utile. Une fois la partie de pêche terminée, quand on veut stocker son matériel, il ne faut jamais oublier de dévisser le frein de combat pour éviter que les feutres qui sont à l'intérieur gardent de la mémoire. Ça permet de garder un frein beaucoup plus performant sur le long terme. Avec une canne casting, donc là j'en ai deux puissances adaptées à deux poids différents de leurre, on peut lancer des leurres compris entre très lourds jusqu'à à peu près 7, 8 grammes, 6 grammes, 5 grammes pour des moulinets vraiment très très haut de gamme. Mais souvent en dessous de 10 grammes, on peut être gêné quand il y a un petit peu de vent. Ce n'est pas des moulinets qui sont faits pour lancer des leurres très très légers. C'est pour ça que je vais utiliser aussi une petite canne spinning avec une tresse là en 10 centièmes qui va me permettre de lancer des tout petits leurres destinés notamment à pêcher les perches. Nous sommes cette fois-ci sur ce que les Lapons appellent un petit lac à truites. C'est donc un lac niché en pleine forêt de 50 hectares. C'est ce qu'ils appellent un petit lac. Dans lequel il y a essentiellement des gardons et des truites fario sauvages, pouvant aller jusqu'à des tailles très très respectables, puisque dernièrement un poisson de 4 kg a été pris. Là, je change ma bobine pour mettre du nylon en plus petit diamètre afin d'essayer d'être relativement discret. Et là, on va pêcher avec des petits poissons nageurs pour capturer ces farios sauvages. En tout cas, le lac est vraiment perdu en pleine forêt. Et quand on voit l'immensité de la zone, effectivement, un lac de 50 hectares par rapport au lac à proximité, c'est un tout petit lac. Tout est proportionnel, tout est relatif. Ah, elle est là,
Ouf! Dis donc, elles ont une gouache ces poissons! Elles sont magnifiques! Elles ont une robe splendide! Aïe! Mes hameçons piquent! Là, c'est des animations très très sèches. Les truites attaquent souvent des choses rapides et saccadées. Rien à voir avec les animations pour le brochet. Là, je ranime deux fois plus vite. La truite est un poisson très rapide, chasseur de pleine eau. Il faut vraiment les solliciter. Il y a un petit poisson avec des nageoires oranges qui a suivi mon leurre. On aurait dit un gardon. A priori, les gardons ne sont pas carnivores. Bizarre ce lac. Oui! Ok. Wouh! Elle a sauté. Elle est là. Oh, qu'est-ce qu'elle tire? C'est pas des gros poissons, mais dis donc. Ils sont dopés à l'EPO. Ouf! Hop là! Hop! Qu'est-ce qu'elles sont nerveuses! On va attendre qu'elle se calme un peu. Oh, dis donc! Bon, en fait, on va pas attendre qu'elle se calme. Parce que sinon, elle risque de s'arponner avec le deuxième triple. Voilà. Magnifique! Elle a une robe splendide. Splendide! Quel beau poisson! Des gros points rouges, très noirs. C'est sûrement dû à la couleur de l'eau qui est sombre. Vrai poisson sauvage de plan d'eau. Hop là! Super! Là, j'utilise un petit poisson nageur. C'est un petit jerbait, c'est-à-dire c'est un poisson nageur pareil, hein, qui, quand on le ramène, bouge très peu. Par contre, qui réagit aux sollicitations du sion en allant de gauche à droite. C'est le même modèle que celui que j'utilise pour le brochet. Sauf que celui que j'utilise pour le brochet, c'est un modèle en 11,5 cm. Et celui-là, c'est un modèle en 6 cm. Excellent. Là, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a absolument rien de visible. Par contre, il y a un tombant qui est quelque part, que j'ai vu un changement de couleur dans l'eau. Donc une zone où ça tombe assez rapidement, puisque là j'arrive à voir le fond et à un moment je ne le vois plus. Enfin, du moins on distingue. Et a priori, les poissons se situent sur ce tombant. La logique voudrait qu'ils soient dans le noir, dans le plus profond, et qu'ils montent chasser sur le plateau et qu'ils redescendent. Et donc je recherche ce tombant, mais comme il y a beaucoup de nuages au-dessus du soleil, ça le cache et là j'ai du mal à visualiser. Ouh ! Hop là ! Celle-là je l'ai vue, elle m'a suivi, elle a attaqué juste au bateau. Hop là, décroché. Elle m'a attaqué juste là. J'étais twitch, je vois arriver mon leurre, elle est arrivée, boum, elle l'a pris. Et comme elle a attaqué comme ça au dernier moment, elle était piquée, elle avait l'hameçon juste sur le côté de la gueule. Donc quand c'est souvent comme ça, c'est dans le dur, ça n'a pas eu le temps de piquer, ça s'est décroché. Et là, on est sur le tombant. Donc c'est ici qu'il y a les touches, hein. C'est vraiment très localisé. Donc les truites, ne pas leur laisser le temps de réfléchir. Surtout en lac comme ça, en plus, il faut prospecter pas mal d'eau. Animation rapide, des twitch, accélération, et elles prennent, si c'est trop lent, de toute façon elles prennent pas, elles suivent et elles prennent pas. Là au moins c'est un réflexe d'attaque et elles regardent pas, elles piquent. Cette partie de pêche à la truite a été tout à fait improvisée, donc j'ai rien prévu pour ce type de pêche. Donc là j'avais une petite bobine de tresse là pour pêcher les perches en surface
Là, une bobine, c'est du 28, il me semble, c'est beaucoup trop gros. Et là, je viens de retrouver dans mon sac une bobine de fil plus petit. J'ai aucune idée, je me souviens plus ce que c'est, mais de toute façon, c'est plus petit, ça va être meilleur. Ça va me permettre d'améliorer les distances de lancer. Et il y a autre chose d'important avec les fils fins, c'est que plus ils sont fins, plus le leurre arrive à descendre. Donc c'est assez important sur un petit poisson nageur comme ça. Je vais gagner peut-être 15-20 cm en profondeur. Et en plus, l'animation va être un petit peu plus fluide. Donc là, je vais changer mon fil. A priori, ça doit être... ça a vu le nez, je pense. Peut-être 18 ou 20 centièmes, c'est absolument parfait. Il n'y a pas d'obstacle, donc même si j'ai un gros poisson, une grosse truite, elle aura tout loisir pour partir. Je ne devrais pas avoir de problème pour la sortir. Ouais. Ça, c'est un bonheur. On va la voir. Qu'est-ce qu'ils sont nerveux, ces poissons. Hop là. Voilà, elle a fait un tour avec le fil, alors voyons voir ça. Elle est bien piquée. Voilà. Voilà, super poisson. Avec des couleurs magnifiques, le dos très très noir, le ventre bien ocre avec des points rouges. Magnifique. Et une gueule qui rigole pas. Hein. Allez, ma grande. Hop là là. Mais je pense que le poisson qu'on a vu tout à l'heure avec les nageoires rouges, ça devait être un nid de mélanote. Parce que c'est carnassier quand ça devient un peu gros. Mais là, je pense que mon leurre était trop gros pour lui. Et comme il y en a sur la rivière, c'est tout à fait possible. Oh, celle-là un petit peu plus petite. Je vais essayer de la décrocher sans trop la toucher. Elle est piquée dans l'os. Bonjour. Arrive, voilà, elle est en surface. Hop là, on va éviter de la faire sauter. Là, j'ai changé de leurre, j'ai mis un leurre qui plonge un petit peu plus dans les coloris roses, et le rose plaît énormément aux truites. Petit poisson. Hop, hop, et voilà. Moins on les touche, mieux c'est pour elle. Allez. Donc là, c'est un leurre qui plonge un petit peu plus avec une grande bavette qui réagit moins au coup de sion, donc j'ai une animation un petit peu plus lente et moins sèche surtout.
Ah, ça a l'air un peu plus joli, hein. Ça a l'air un petit peu plus gros. Ouf. Elle est à peine plus grosse que les autres, mais elle est surtout vaillante. Celle-là, c'est une guerrière. Elle est bien piquée jusqu'au coin de la gueule. On s'en lasse pas de les regarder. Truite de lac Lapone. En fait, les lacs ici n'ont pas de nom. Ils sont tellement nombreux qu'ils ont des numéros. Donc là, ici, je suis incapable d'ailleurs de vous dire le numéro. On l'appelle souvent le lac à truite. Bon, allez, on va l'attraper et la décrocher. Allez, elle va venir bien sagement. Voilà ma grande. Déjà la décrocher. Les truites, ça glisse comme une savonnette. Hop, 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 hop. Voilà. Oh. Superbe, c'est un poisson qui fait, je sais pas, vous voyez mes deux mains. Je sais pas ce que ça doit faire. Plus de 30. Superbe, elle est magnifique. Ce petit lac est un régal. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Dis donc, elles sont nerveuses. Hein. Elles tournent dans tous les sens, qu'est-ce qu'elles font elles? Elles sont calibrées les poissons, c'est tous la même taille pour l'instant. Au moins d'être désagréable parce que c'est plutôt des. Plutôt une taille tout à fait correcte. Hop là! Allez. Encore, encore, on s'en lasse pas. Toutes les touches ont lieu quasiment au même niveau. On doit être là au niveau du tombant, je pense. Donc j'essaie de prendre mes repères un petit peu sur les berges, mais c'est pas facile, c'est tellement grand. Ouf! Elle a fait un saut, celle-là, un mètre au-dessus de l'eau. Juste à la touche. Wow! Ah d'accord, c'est pour ça. D'accord, je comprenais pas pourquoi elle tirait comme ça. Elle est prise par le haut du dos. L'hameçon a dû glisser et s'est repris là-haut. Ouais, elle est lochée. Toc. Alors, monte voir ta tête. Elle arrive. Là. Comment elle s'est piquée? Ouf. Comment elle a fait ça, elle? Les truites, elles font tellement n'importe quoi quand elles combattent qu'elles arrivent toujours à s'enrouler l'hameçon partout. Hop là. Ah, elle a des couleurs magnifiques. Je me répète, mais vraiment. Elles sont superbes, avec des sortes de points noirs là sur le ventre, un petit peu comme des tacons, en plus de leurs points rouges. Ouais. Hop là.
Donc ça, c'est le chalet de la société de pêche de Gaffeleu, qui est à disposition de tous les pêcheurs. Donc il y a du bois qui est ici, des toilettes à côté. C'est tout propre, en bon état. Et voilà, quand il fait mauvais temps ou qu'on a envie de se faire une petite grillade entre copains autour de la pêche, bah, c'est à la disposition de tout le monde. Voilà le livre d'or du petit chalet de pêche au bord du lac, avec des histoires en suédois. Je suis particulièrement incapable de comprendre. Think you can then? Alban, you can change. One is a bit of a good thing. Alban. Oh, well. Côte de perche. Oh, ça c'est excellent, c'est de la pêche en direct. C'est bien, c'est toi. Tranquillement. Voilà. On sent que tu peux de water. C'est des tueries là.